things for you. Et paf. Et QQ. Mon Dieu, que j'ai la tête dans le cul. Ok, on se retrouve donc aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, pour l'unboxing de la Neon Box du mois d'octobre. Voilà, elle est belle, elle est là. Elle est arrivée en un petit peu mauvais état, mais bon, ça va aller. Je l'ai donc préouverte comme d'habitude, et il semblerait que ce soit une Neon Box spéciale Halloween. That's so cool. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que vous allez bien. La petite notice. Bakemon, les monstres du folklore japonais. Ouais, c'est totalement ça. Et donc, ce mois-ci, si nous avions eu de la chance, nous aurions eu sur le tirage au sort de la Mega Neon Box une Famicom Mini.
le Jump 50e anniversaire et un lot de 7 figurines Jump. Putain, la vache. Le mec qui a reçu ça, il est refait, quoi. Et QQ a dit... Bon, donc on regarde pas ce qu'il y a dedans, comme d'habitude. On le lira à la fin. Bim. Et bah, c'est parti. Donc, on enlève le petit papier. Qui est cool. Avec des petites têtes de Shinigami. On a... alors, si je dis pas de conneries, hein. On a Shinigami, on a le masque de Tokyo Ghoul, et coucou Shino. On a le masque du mec de, du voyage de Chihiro, et bon, un truc de Kitsune, les masques de festival, tout ça, tout ça. Très bien. Des petits trucs sympas des fois. Alors, bon, il y a un truc bien dessus. Des masques de chat. Il y a un truc dessus, on va prendre ça. C'est une pochette. Et ben bah, voilà, on parlait du voyage de Chihiro il y a 2 minutes. Merde, avec la lumière. Attendez, je vais le sortir de la pochette. Je sais pas, je crois que c'est une pochette en plastique de rangement. Ne quittez pas. C'est totalement ça. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, une jolie petite... Ouais, bon, ça brille toujours autant. Est-ce que si j'éteins la lumière... Ouais, non, c'est avec les reflets. Ah, désolée, je pourrais pas faire beaucoup mieux. Une petite pochette en plastique de rangement, donc du voyage de Chihiro, qui est plutôt mignonne. Ça me fait marrer parce que, bon, je le dis à chaque fois, hein, mais... quand je suis allée au Japon, on a donc fait le musée Ghibli, et franchement, il est pauvre en goodies, il n'y a pas grand-chose dedans. S'il y a vu tous ces trucs-là, bah déjà ma meilleure amie qui cherchait plein de pochettes l'aurait probablement prise. J'adore avoir des trucs. Ça va, vous voyez bien. Bon, c'est cool. J'essaye de faire au mieux, mais avec le reflet des écrans, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais reglisser ça totalement. La petite pochette de protection. Je vais voir si elle la veut, vu qu'en plus... elle est fan de Ghibli comme moi. Je lui donnerai. C'est elle qui m'a inscrit à Neonbox. Bien. Donc la petite pochette. Hop. Je vais mettre le récap là. Après, qu'est-ce qu'on a? Un truc un peu mou, pas un autre t-shirt. Oh là, on a pris 2 items. Oh mon dieu. Bah, je crois qu'on a une paire de chaussettes Tokyo Ghoul. Et c'est ça. Une petite... Bon, je vais la sortir aussi. Celle-là, elle brillera pas sans le plastique. Mais lol. Une petite paire de chaussettes Tokyo Ghoul. Donc avec le masque du mec de Tokyo Ghoul. Hein. Mais lol. Bon, bah... Et QQ Marise, je tiens à préciser que ce live, vous le devez à Radhi et à moi. On la bouche de son lit, oui, je me suis levée, j'ai pris ma douche, tout ça. Il est vrai. Merci, mademoiselle. C'est Tokyo Ghoul heureux. Bon, j'aurais mis ça dans Tokyo Ghoul. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai trouvé ça nul, Tokyo Ghoul heureux. Bref, donc voilà, petite paire de chaussettes Tokyo Ghoul. Écoutez, ma foi, je suis assez contente. Est-ce que c'est ma taille? Je ne vais pas faire dans le cliché, genre les Japonais ont des petits pieds, mais je ne sais pas. Je verrai. La casserole d'eau froide, il n'y a que ça de vrai. Au secours. Avec ça, on avait... Ah putain, je sais plus comment ça s'appelle. Il me semble que c'est les espèces de foulards ou de trucs pour envelopper les comment ça s'appelle, les bento. Dernier objet dans la box, un sextoy en forme de chat. Non mais ça va pas, Shino. Et coucou Yuni. Hop. Un petit... je vais mettre ça là. Un petit carré, il est très joli. Putain, il est carrément stylé. Je vais voir si je peux pas l'accrocher quelque part.
Un petit carré d'Halloween, du coup, avec un torii, un des lampions qu'on voit souvent dans les fêtes japonaises, un tanuki en bas avec une gourde de saké. Après, ça doit être des démons du folklore. Il est super joli, je trouve. Voilà. J'essayais de bien cadrer, j'espère que vous l'avez bien vu, vu qu'il y avait ma grosse tête devant. C'est un peu compliqué. Et tu fais quoi de tout ça? Bah écoute, il y a des items que je garde. Il y en a d'autres que je file à ma meilleure amie qui m'a inscrit au Neon Box parce que elle regarde la vidéo et qu'elle me fait Oh putain, ça c'est trop bien, qu'est-ce que t'en fais? Et sinon, il y a des trucs que je remets sur le bon coin, histoire de me faire un peu de sous. Et que comme vous le savez, le chômage, tout ça, c'est un peu la pauvritude pour l'instant. Mais bon, ça va vite passer, vu que j'ai retrouvé du boulot. Alors. Oh putain, il y a une grosse figurine. En tout cas, il y a une grosse boîte. Il y a des petites boîtes avec. Ah, ça va être la bouffe, ça. Happy Halloween. Ah! Eh ben, je crois que. On va avoir des bonbons. On va avoir des bonbons. Alors si c'est des bons becs, on va pas goûter tous les bons becs, hein, clairement. En plus, je viens de me lever, ça va être hyper hardcore. Par contre, je vais peut-être les garder. S'il y a des gosses qui viennent taper à la maison, ça m'évitera d'en acheter. Ouh. Oh la vache. Oh, il y a plein de trucs dedans. Alors, nous avons donc et ben des... Putain, elle est trop cool cette box, je trouve. Des bonbons, alors je sais pas, c'est peut-être au chocolat ou à la citrouille. Ouais, non, peut-être à la... J'en sais rien. Des petites étoiles. Des petites étoiles. Je ne sais pas. Pour ces vacances chez Tati Kaori. Non, mais je te dis, fais-les venir, tes petits loups. Ils vont être très contents de rentrer voir maman. Ils sont trop mignons, les paquets. C'est un truc de fou, hein. Je kiffe le packaging des trucs Jap. Donc, ça a l'air d'être des petits biscuits de forme triangulaire comme là. C'est très mignon. Bon, on goûtera, hein, clairement. Mais je vais pas tout ouvrir maintenant, ça va être perdu, c'est con. Ça a l'air d'être un autre petit gâteau sec. Par contre, je vais totalement les laisser là et on se grignotera ça pendant les prochains lives. Non, hop là. Ça sert à... Oh merde. Je dirais un espèce de truc soufflé. Je ne sais pas trop. Un truc dedans. Trick or treat. Oh là. C'est soit un truc très bon, soit un truc dégueulasse. Tu les amèneras à Disney. Et à la Villette. Oh bah oui, bien sûr. Moi qui adore aller à Paris en plus. Salut Chris, comment va? Et donc un petit dernier. Il y a encore plusieurs trucs dedans. C'est trop mignon. On va se goûter celui-là. Allez. Vu qu'il n'y a qu'un truc dedans. Et que j'ai pas petit déj. C'est un petit gâteau sec. C'est un petit gâteau sec. Je sais absolument pas quoi c'est. Ils regardent, ils sont tristes. Mais non, soyez pas tristes. Maman, elle m'a dit qu'elle allait vous emmener à Disney, au parc Astérix, à Belleward. Vous êtes refait pour Noël, vous faites le tour des parcs d'attractions. Ils ont bien entendu, j'espère. Amazon qui me prend toute la journée pour une livraison de cam. Ah ouais, non, mais eux, c'est pas des fourchettes qui donnent, c'est des râteaux. Bon, allez. Celui-là était bon. Donc, je vous dis, les autres, je les mets de côté. Je vais pas tout ouvrir parce qu'à chaque fois, il y a plein de petits trucs dedans. Donc, je vais les remettre dans mon petit sac spécial Halloween. C'est marrant, c'est comme si j'avais une petite Candy Sun avec. Et on goûtera ça. À la limite, celui-ci, il n'y a qu'un truc dedans.
c'est vraiment trop bizarre. Allez. Histoire 2 quand même. Oh putain. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça pue. Tu m'invites quand on ira, il n'y a pas de problème. Ah mais moi si un jour tu vas à Disney ou quoi avec tes gamins, ou même Parc Astérix, hein, tu me dis, moi je suis oversaucée. Je suis comme une gamine là-dedans, hein. T'as un gamin en plus Maryse, par contre je te préviens. Ça pue. Alors, ça sent très mauvais. Ça a l'air d'être tout mou. Je sais pas ce que c'est. Hein. Mais vraiment ça sent mauvais. Je sais pas si ça sent le mauvais, l'espèce de gâteau renfermé, ou si ça sent mauvais... Je sais pas. Putain, c'est hyper bizarre. C'est pas très bon. Ouais, c'est tous les mois, Maryse. Yep, yep, yep. Là, la dernière, c'est le mois prochain et je vais me réabonner après. Enfin. Vu que ma mère a beaucoup d'idées pour mon Noël, je lui ai dit, mais réabonne-moi pour 6 mois. J'adore, j'ai pas le problème. Alors du coup, c'est complètement une espèce de gaufrette autour. C'est bourré de sucre. Et dedans, je sais pas comment vous dire, c'est... Qu'est-ce qui pourrait faire l'équivalent d'un truc comme ça? C'est comme un truc soufflé, mais enfin, dès que c'est sur ta langue, ça fond, ça n'existe plus. Comme un peu la barbe à papa là. Mais c'est pas bon. Je vais pas tout manger parce que vraiment c'est pas bon. Voilà. Donc les autres plus tard. J'ai pas mangé encore, je viens de me lever, on va y aller tranquille. Donc on a 2 petites boîtes. Allez, on prend celle-là. Probablement un produit traditionnel japonais. C'est clairement quasiment ce que je préfère dans les box, donc on va pas se plaindre. J'espère juste que ce n'est pas cassé. Parce que la dernière fois qu'on a eu... Alors j'ouvre, je vous montre. Of course. Oh bah voilà, parfait. Alors ce n'est pas cassé, mais je suis extrêmement contente. Je vais totalement mettre un clou chez moi et l'accrocher direct. Nous avons donc un petit masque de Kitsune en porcelaine. Il est juste trop cool. Ah, je suis hyper contente. Moi, je suis abo aux box de thé. Mais ça se prête moins à l'unboxing. Ah, j'avoue. J'ai aussi fait des cookies. Oh la vache. Je veux bien des cookies. Ça doit être meilleur que ce que je viens de bouffer. Il est super cool. Franchement, je suis hyper contente. Ça, c'est un truc que je regrette rien que pour ça. Enfin, je vais retourner au Japon de toute façon, c'est sûr. Mais je pense que je vais essayer d'y aller une période de festival. Pour pouvoir faire un festoche avec les nanas en yukata et tous les petits masques partout. Là, leur stand à la con avec plein de bouffe. Hein. Il est vraiment très très joli. Voilà, je vous le montre encore parce qu'il est hyper beau. Oh, je vais mettre un clou. Je vais l'accrocher, je sais pas où. Je vais lui trouver une petite place quelque part. Il est super joli. Je suis abonnée aux box de fringues que je paye avec l'argent des clopes que je ne fume plus. Pas mal, Maryse. Ouais, non, franchement, je suis contente. Écoutez, pour l'instant, je suis assez contente de cette box. Hein. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que je ne sens pas... Je crois qu'il n'y a pas de gacha. Et ça, c'est extrêmement... Oh ! Ah, la fameuse boîte random. Alors ! C'est souvent en été et en hiver, leur festoche, ouais. Oh, mais c'est trop fort. Vous voyez les petites... ils font ça en France. C'est les petites peluches, mais ils font ça avec les persos de chez Disney.
Les petits trucs qui s'empilent, là. Et bah là, on l'a totalement en perso de manga. Donc, on a Sangoku, Naruto, Luffy. Attendez, parce que je vois pas bien sur le retour. Oh. Alors, ceux d'en bas... Je vois pas qui c'est. Là, c'est le mec d'Hunter x Hunter. Ça, je ne sais pas. Ah, je vois pas les fringues, du coup, c'est compliqué. Ceux qui sont là, je pense qu'il y a peut-être un Kuroko no Basket qui se balade là-dedans. Je ne sais pas. Du coup, tu fais les Japan Expo. Les JE, je les faisais avant. J'ai fait les premières éditions. En fait, avant, c'était dans une petite salle où tu faisais la queue sur le parvis de la Défense et c'était là-bas. Je vais pas faire ma vieille conne en disant c'était mieux avant, mais il y avait moins de monde, c'était moins commercial, tu pouvais parler avec les gens, tu pouvais circuler, tout ça. Je l'ai fait 2 années à Parc des Expos à Villepinte et enfin franchement c'est horrible quoi. C'est horrible. Mais ouais, la première année où j'ai fait la Japan Expo, bah, j'étais avec un groupe de potes et on a créé nos costumes, enfin nous-mêmes quoi. C'était super cool. Mais ouais, après, bah, comme tu dis, c'est un peu l'usine. Bah, c'est beaucoup plus grand. C'est clairement une grosse usine, hein, pour le coup. C'est des énormes hangars, quoi. Et ouais. Bon, allez, je vais totalement arracher la boîte. Je le fais jamais, mais là, je sens qu'on va avoir un truc bien. Et ben non, je ne sais pas qui c'est. Ah si, c'est Ichigo. Ah bah c'est totalement Ichigo. Très bien. Enfin, je crois. C'est ça, enfin, ça ressemblerait à sa tenue de Shinigami. Pourquoi il a ça sur le dos? C'est pour un événement particulier? Ah, c'est pour les 50 ans de Jump, je crois. Un truc comme ça. Moi, j'ai tous les Japan Expo. Mais aussi sur Calais et le virtuel Calais. J'ai un aveu à te faire, je n'ai jamais lu un seul manga de ma vie. Ah bah là, il y a beaucoup de trucs hein, qui se rapportent au manga. Après, enfin moi, je suis hyper fan de tout ce qui est la culture japonaise, les mangas. Oh, c'est tout doux. Oh, mais c'est trop mignon, en vrai. Oh, c'est tout doux et ça fait bal anti-stress. Oh, il y a des petites billes. Il a des petites billes sur le bidou. Or, du coup, hop, c'est totalement Ichigo qu'on reconnaît. Parce que si on le met comme ça, il a totalement son habit de Shinigami. Si j'avais juste eu sa tête, je l'aurais totalement pas reconnu. Hein. T'en as à me conseiller pour m'initier. Et bah, qu'est-ce qui t'intéresse comme genre de film ou comme histoire généralement, Maryse? C'est... Ouais, j'avoue, ça va totalement me servir de bal anti-stress. C'est trop bien. Pardon? Attends, je remonte la conversation parce que là, je suis restée. J'ai commencé sur on m'a filé une prothèse mammaire. C'est... Il y a un truc que j'ai pas suivi. Comme bal anti-stress au boulot, on m'a filé une prothèse mammaire. Ah, d'accord. Ouais, pas de soucis, Maryse. Bah, on en discute, il n'y a pas de problème. Bah, Nours non plus, on regardait pas trop. Je lui ai filé une liste de mangas. Et donc, du coup, ouais, je pense que c'est totalement pour le 50e anniversaire de je sais pas trop quoi. Je pense que c'est encore Jump ou un truc comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une édition limitée 50e anniversaire. Et quand je suis allée au Japon, il y avait pas mal de trucs. Il me semble d'ailleurs que ma figurine One Piece, c'était une édition pour le 50e anniversaire. C'est bien rigolo, ce truc-là. Bon, J'avoue, il est cool, on aurait pu avoir pire. Il y en a, franchement, je ne sais pas qui c'est. À la limite, ouais, Sangoku, ça aurait pu être cool. Ou... Et encore, c'est même pas Naruto, c'est Boruto qu'ils ont mis. Ouais, le Luffy, ça m'aurait fait chier parce que le chapeau de paille, enfin, il est hyper mal fait. Bon, après, c'est peut-être pas évident sur des petits trucs comme ça, mais... À la limite, ouais, le Sangoku, ça m'aurait fait kiffer. Hunter x Hunter, je suis pas spécialement fan, donc je m'en fous.
Je pense que celui avec les cheveux bleus, c'est Kurono Basket. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. J'avais juste le voyage de Chihiro. Je sais plus comment ça s'écrit. Ouais, le voyage de Chihiro. Bah, c'est un Ghibli. C'est un Ghibli. Hop, on va récupérer la boîte pour mettre le truc dégueulasse dedans. Bim, bim, ça va aller à la poubelle. Bon, on a eu un truc du voyage de Chihiro, je te montrerai. Je viens de voir le dernier item de la box. Je sais pas si vous vous souvenez. Un Ghibli, c'est une boîte en fait de studio d'animation japonaise qui fait plein de films. Ils font juste plein de films. C'est eux qui ont fait le voyage de Chihiro. Enfin, c'est des studios Ghibli et c'est Miyazaki qui l'a fait. C'est un dieu en fait. Il a fait juste, mais enfin, je crois que les meilleurs, enfin. À mon sens, en tout cas, les meilleurs films des studios Ghibli, c'est Miyazaki qui les a faits. Et Le Voyage de Chihiro, c'en est un des siens. Nous avons dans cette box une figurine absolument incroyable. Autant la dernière fois, je ralotais parce que celle des Sao, je m'en tamponne la nouille. Autant celle-là, je suis refaite. Or bon, comme d'hab, Rem Ram, je sais jamais laquelle c'est. Mais elle est juste énorme. Nous avons une figurine. Mon Dieu. De Remram, je ne sais pas encore une fois, en petit chaperon rouge. Elle est juste trop mignonne de ouf. Oh la vache. Ah, celle-là me fait plaisir. Clairement. Bon, il n'y a pas de gacha. Je suis un peu au bout de ma vie, parce qu'il n'y a pas de gacha. Mais. Je vais la sortir de la boîte tout de suite. Hein. Elle va finir, dès que la vidéo est terminée, elle va totalement aller sur une étagère. Je vais essayer de pas abîmer la boîte par contre. Parce que ça, c'est comme tout, le jour où j'ai plus de place, où je veux revendre mes trucs. Les boîtes, c'est important. Les gachas, c'est des petites. Bah, tu vois les petites. Non, mais t'inquiète, Maryse. Les petites boules que tu as dans les petites machines. Pour les gamins, là, c'est des petites boules. Ou dedans, t'as des jouets. Bah, là-bas, ils appellent ça des gachas, en fait. C'est genre super culturel, là-bas. T'as des séries sur des dessins animés, sur des trucs télé, sur. T'as même des trucs, tu sais même pas pourquoi ça existe dans ces petites boules-là. Et ça s'appelle des gachas. Et t'en as partout. Mais vraiment, t'en as partout. Bah, je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais j'ai fait un concours il y a pas longtemps. J'avais ramené des gachas de Dragon Quest. Du coup, bah, c'est des petites boules. Et du coup, bah, j'ai fait gagner les petits gachas. Parce que le truc qui est sympa, c'est que tu mets genre. Fin, ça coûte pas cher du tout. Et puis. Enfin, c'est des produits. Enfin, là, en l'occurrence, c'était des trucs originaux Square Enix. Mon Dieu, ça se voit que je viens de me lever. Je ne sais absolument pas parler. Que s'est-il passé? Ah merde. Attendez une seconde. Si ma souris veut bien revenir. Ban ban. Qu'est-ce qu'il nous disait, monsieur? J'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise qui pourrait aller. De quoi? Au niveau des boîtes? Je ne sais pas, il essayait de mettre un lien. Hop là. Oh, elle est déjà toute assemblée. Cool. C'est la coquine là.
t'as vu celui-là. Hop. Ouais, il a tenté de mettre un lien, mais je sais pas ce que c'est. Mais j'ai une petite surprise qui pourrait aller au moment de l'ouverture de la boîte. Truc YouTube, je ne sais pas ce que c'est. Hop. J'arrive, hein. Je fais juste attention au déballage. Oh la vache, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle, je suis trop contente. Même le sol, il est stylé. Donc c'est Rem, voilà, c'est Rem. Je sais jamais laquelle c'est des deux. Coucou Yaska, comment va ? Hop. Elle est vraiment hyper jolie. Putain, les détails et tout, quoi. Elle est super belle. Donc voilà, notre petite figurine de Rem. En petit chaperon rouge. Vous voyez, mais même les petits drapés et tout. Hop, même les détails des chaussures. Voilà, vous voyez pas bien, mais il y a les striures sur les chaussettes. Franchement, elle est hyper jolie, quoi. Ah, je suis hyper méga contente. Elle est vraiment trop belle. Trop cool. Alors là, trop cool. Au final, je crois qu'on va juste tout garder dans cette box. Louloulou, là. C'est la première où il n'y a rien à jeter. Enfin, rien à jeter. On va vraiment tout garder. Du coup, la box est vide. Nous allons prendre notre petit fascicule. Elle pète sa mère. Ouais. Et on va lire un petit peu ce que nous avons eu. Alors, qu'y a-t-il ce mois-ci ? Donc, faisons le petit récapépète. Nous avons eu un protège-document du voyage de Chihiro. Donc, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, Maryse. Donc, voilà la petite pochette. Désolée encore une fois pour les reflets, mais que je l'enlève ou pas, vu que c'est plastifié. De toute façon, avec le PC, vous aurez forcément reflet. La petite pochette du voyage de Chihiro. S'il y a une œuvre du studio Ghibli qui met en scène de nombreux bakemono, donc les bakemono qui sont donc les démons, si je dis pas de conneries, voilà, les monstres du folklore japonais. S'il y a une œuvre du studio Ghibli qui met en scène de nombreux bakemono et monstres japonais, c'est bien le voyage de Chihiro avec ce protège-document très classe représentant Chihiro et Kaonashi, donc le sans-visage. Qui est donc voilà, le personnage, vous allez pouvoir protéger et transporter vos documents les plus précieux. Nous avons ensuite eu une paire de chaussettes Tokyo Ghoul Re. Paire de chaussettes Tokyo Ghoul Re, difficile à faire une box sur les monstres japonais sans un produit Tokyo Ghoul. Bonne nouvelle, voici une jolie paire de chaussettes représentant le masque de Kaneki dans le manga. Deux couleurs disponibles dans votre box, l'une avec les motifs rouges et l'autre avec les motifs blancs. Bah, je suis bien contente d'avoir eu les rouges, les blancs, parce que les rouges ne sont pas très jolis. Voilà une jolie petite paire de chaussettes pour cet hiver. Elle est cool cette box, je suis contente. Ah voilà, un Furoshiki, je me rappelais plus. Donc je vous le ressors parce que lui c'est pareil, il est vraiment très joli. Faut que je trouve, je sais pas, un cadre pour le mettre dedans ou je sais pas. Je le trouve vraiment très 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 joli. Hop. Il est joli mais il pue.
donc hop, cette petite chose qui est donc un Furoshiki Bakemono avec ce magnifique Furoshiki fabriqué au Japon. Vous allez pouvoir emballer et transporter vos bentos, ce que je vous disais donc tout à l'heure, ça va, je suis contente. Je commence à être à peu près calée sur certains trucs, je ne dis pas que des bêtises, ou tout autre objet en toute sécurité. C'est comme ça que les Japonais les utilisent, ou simplement vous en servir de décoration d'intérieur. L'illustration représente des bakemono très connus dans les cultures japonaises. Rendez-vous dans la section à la découverte du Japon pour en apprendre plus sur eux. Ce que je vous lirai après, qui est le petit blabla explicatif sur le thème de la box. Il est vraiment hyper beau. Je vais essayer de voir si je trouve un petit 4 carrés ou un truc comme ça. T'es en train de peindre tes... Petite figurine Warhammer. Nous avons après donc le magnifique masque de Kitsune en porcelaine. Ça, c'est pareil que je vais accrocher absolutely parce qu'il est vraiment trop cool. Je suis hyper contente. Franchement, cette box est absolument géniale. Le Kitsune est sans doute l'un des bakemono les plus connus dans la culture traditionnelle japonaise. Il s'agit d'un renard blanc doté de pouvoirs magiques. Avec ce petit masque en porcelaine fabriqué au Japon, vous allez pouvoir donner une jolie touche japonaise à votre décoration. Et coucou Kyuna! Donc voilà, magnifique petit masque. Hyper cool. Après, on a donc eu la petite boîte où on pouvait avoir... des petits, bah, du coup, des petites boules anti-stress. Hein. Je sais pas si c'est vraiment censé être des boules anti-stress, mais... Alors, c'est un Potekoro mascotte bleach. Ah, mais il y avait que la bleach, de toute façon. Ah bah oui, forcément, je suis con, c'est sur le thème d'Halloween, donc forcément, ça pouvait être que bleach là-dedans, parce que les autres sont pas très raccord sur le thème Halloween. Lol. Ah, coucou, Constipouette. Oui. Oui, oui, je peux te donner ça. Ne quitte pas. Hop. Et voilà, Nihon Box. Et coucou le sadique. Et salut la personne qui a roulé sa tête sur le clavier du sadique. Alors du coup... Première petite peluche d'une série de 3 à retrouver dans les prochaines Yandbox. Ah, donc on aura des copines. Voilà, donc dans la prochaine et puis celle d'après. Voici le célèbre Ichigo. Donc je ne me suis pas trompée. Putain, j'aime quand j'ai raison et que je ne dis pas de la merde. Voici le célèbre Ichigo Kurosaki. Personnage principal du manga Bleach, comme le savent les fans du manga, Ichigo possède de puissants pouvoirs de Shinigami traditionnels au Japon. Les Shinigami sont les divinités de la mort. Donc apparemment, nous avons Ichigo ce mois-ci et il aura 2 copains, un en novembre et un en décembre. Coucou des villes, des villes. T'inquiète, le samedi, il n'y a pas de problème. Donc ouais, il va peut-être finir dans mon sac si je stressouille. Ouais, c'est pas mal. Il y a des petites... Il y a des petites bouboules là. Tout là, là, c'est des petites bouboules. Après, nous avons donc eu un petit sachet avec plein de petites saloperies dedans qui sont bien bonnes. Ah bah, il y a marqué ce que c'est. Donc, c'est le premier qu'on a mangé qui était bon. Enfin, vous ne savez pas trop ce que c'est. C'était un melon de panne cookie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le melon de panne, c'est, enfin, c'est un truc traditionnel là-bas. C'est un petit pain. J'en ai mangé un. Je trouve ça très sucré. Et ça n'a pas trop le goût de melon. J'avoue que j'étais un peu déçue. Alors après, j'ai peut-être pas mangé non plus au meilleur endroit qu'il fallait. Mais en gros, c'est un petit pain qui est à peu près comme ça. Un peu mou, quoi. C'est comme une petite brioche avec du sucre au-dessus. Et c'est censé avoir un goût de melon. Voilà, un melon de panne, ils appellent ça. C'est bon. C'est bon, mais c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Donc, le petit truc qu'on a mangé, c'était un cookie melon de panne. Le deuxième... Ah, bah là, c'est un fugashi, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons donc des chimis choco croque. Donc ça, je pense que ça va être bon. C'est les petites étoiles, là. Je pense que c'est au chocolat. On a le home pie. Donc, on va avoir un truc à la pomme et des onigiri senpai. Oui, bah, ils ont appelé ça onigiri parce que c'est triangulaire. Attends. On va faire ça bien. Donc, je disais... C'est donc onigiri sambai, donc onigiri parce que ça a la forme triangulaire comme les onigiri. Chimi chococorn, donc ça doit être des petits trucs soufflés au chocolat. Donc ça, ça va se manger tout seul. Et home pie, donc je suppose que ça doit être... je sais pas, un truc.
qui est la pomme, j'en sais rien. Enfin, quoique, non. Pomme pie, ça va être quoi? Apple pie, c'est une tarte à la pomme. Pomme pie, ça doit être tarte. Je parle pas anglais, donc j'essaye de... Je suis pute. Bref, comme j'ai dit, on goûtera ça pour le goûter sur les lives. Ça nous fera des trucs à graille. Donc, friandises d'Halloween. Pour fêter Halloween et satisfaire tous les gourmands, voici une sélection de friandises japonaises disponibles exclusivement en ce moment pour l'occasion. Au programme, melon de panne cookie, chimichoco corn, donc c'est un snack de maïs au chocolat. Fugashi, c'est un... Ah, le truc qu'on a goûté que je trouvais ça pas bon, et bah... C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, on avait des galettes de riz soufflées. Et il y en avait avec ça, c'est du sucre noir. Et c'est hyper particulier, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Onigiri Senbei et Onpai. Voilà, tarte maison. Ah d'accord, bon on verra. Bonne dégustation, merci. En fait, d'après les streamers que j'ai vus, je peux dire que est l'une des rares personnes où la chaîne est correcte. Donc je peux dire que la chaîne que tu as est vraiment bien gérée et très respectueuse. Bah écoute, merci beaucoup. C'est très gentil, Chris. C'est gentil. Merci. Ouais, super. Merci, Yoni. C'est moins gentil. Oh, le mec, quoi. C'est normal que je sois une chieuse, je suis une nana. Enfin, il y a un moment, je veux dire, c'est QFD, non? Et donc, pour terminer cette box, nous avons cette magnifique figurine de Rem. Je me la pète parce que ça y est, il y a son nom qui est marqué dessus. Maintenant, je sais laquelle c'est des deux, qui est juste trop belle. Donc, je vous la remontre en dehors de la boîte. Elle est magnifique. Clairement, elle est juste magnifique. Avec son petit corset, il y a les petites pop-poches. Petite chaussette, elle est magnifique. Ah oui, elle est vraiment super belle. Donc, figurine de Rem de ReZero. Si d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas vu cette série, allez la voir. Elle est vraiment cool en plus. Ce mois-ci, dans votre box, c'est avec grand plaisir que nous avons placé cette sublime figurine de Rem de ReZero. Pour ceux qui n'ont jamais vu ou lu cette œuvre, Rem possède la capacité de se transformer en Oni, considéré comme l'un des principaux bakemono du folklore japonais. Donc c'est un orc, un ogre, pardon, je dis des conneries, c'est un ogre. En gros, elle a une corne sur le front qui pousse quand elle... ses pouvoirs, et puis ça devient une psychopathe. Une jolie pièce qui trouvera à coup sûr une place dans votre collection. On attend vos photos sur les réseaux sociaux. T'inquiète mon pote que je vais en faire et que je vais les mettre sur Twitter. Ça, c'est sûr. Hop. Donc voilà pour tout ce que nous avions dans la box. Comme d'habitude, je vous lis ce qu'il y a aussi à l'arrière, ce qui... partie un petit peu du côté historique et que je trouve hyper cool. Merci beaucoup d'avoir commandé cette Neon Box du mois d'octobre 2018. Comme chaque année au mois d'octobre, une incroyable ferveur gagne le Japon pour Halloween. Dès le mois de septembre même, on commence à voir fleurir les décorations dans les rues et les rayons des supermarchés se garnissent de produits aux couleurs des saveurs d'Halloween. Ce mois-ci, nous avons donc sauté sur l'occasion pour vous concocter une box bakemono, terme qui désigne dans son sens large toutes les créatures et les monstres japonais. Ce que je trouve assez rigolo, c'est que c'est vraiment le terme qu'ils utilisent dans les mangas, enfin pour ceux qui regardent, quand il y a un mec qui s'énerve et qui traite le mec de monstre, il y a bakemono, c'est, enfin bref, voilà, du coup ça me fait marrer. Je pensais pas du tout que c'était vraiment un terme générique pour définir les monstres dans le folklore. C'est hyper cool. T'es libre à quelle heure? Je finis, je mange vite fait, et puis je suis dispo après, Marie, si tu veux. Pas de soucis. Comme vous allez vous en rendre compte en découvrant votre box, nous n'allons pas faire les choses à moitié avec beaucoup de produits de licence inédites dans la Neon Box, et notamment Bleach, Tokyo Ghoul Re, Le Voyage de Chihiro. Oh, c'est pas vrai, Le Voyage de Chihiro. La première box qu'on a eue, on a eu une paire de baguettes du Voyage de Chihiro. Une nouvelle fois, nous sommes... Enfin, je crois que c'était... En tout cas, c'était Ghibli et il y en avait une de Voyage de Chihiro, c'était sûr. Je sais plus si on a eu Totoro ou... Je ne sais plus.
Après le concert de Queen. Ah, mais ça va être trop bien, ça. Putain, ça commence. C'est une très bonne journée. Une nouvelle fois, nous sommes heureux d'avoir placé dans votre box une figurine aussi grande et magnifique. On vous souhaite un bon Halloween en espérant que vous apprécierez cette nouvelle Neon Box et les trésors qu'elle renferme. On se retrouve le mois prochain pour une superbe Neon Box et surtout, à surtout ne pas manquer. Et nous serons là, bien entendu. J'adore. C'est un petit Noël tous les mois, hein, ce truc. J'adore. Alors, du coup, à la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en plus sur le Japon et sa culture. Bakemono, les monstres du folklore japonais. Au Japon, les bakemono tiennent une part importante dans la culture et les croyances populaires. C'est pourquoi nous avons profité d'Halloween pour leur consacrer une box. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En japonais, bakemono s'écrit... c'est en kanji. si l'on décompose les caractères, ça veut dire se transformer, se métamorphoser, changer de forme... Et en gros, il y a deux kanji. Le premier veut dire... Enfin, je vais essayer de vous montrer, mais ça va peut-être être... ouais, ma cam, elle est pourrie, elle ne va pas faire de focus. Enfin, là, en gros, le gros caca, là, c'est deux kanji. Donc, si on décompose les kanji, le premier veut dire se transformer, se métamorphoser, changer de forme. Et le deuxième veut dire les choses, les objets. Les bakemono sont donc des choses ou êtres vivants qui ont la capacité de se métamorphoser. Plus généralement, dans le langage courant japonais, on parle de bakemono pour désigner des choses qui font peur ou un synonyme de yokai. Yokai qui est, enfin voilà, pour moi, un monstre du folklore japonais, c'était plus un yokai que bakemono. Enfin voilà, clairement, je ne pensais pas que le terme était utilisable comme ça. Par exemple, kitsune et tanuki sont des yokai très connus qui ont la capacité de se transformer en humains pour faire peur aux gens. Donc c'est des démons. On utilise aussi le terme bakemono pour parler de fantômes, les esprits des morts qui se transforment en quelque chose de visible. En japonais, un fantôme se dit obake et s'écrit, pareil, c'est du kanji. Oui, il s'agit du même kanji, du coup, que celui du dessus. C'est pas évident de vous lire quand il y a des kanji, par contre, ils font chier. sur le furoshiki inclus dans votre box se trouvent 5 bakemono. Donc le furoshiki, hop, c'est totalement... on va pouvoir faire ça bien. Oui, attends, Doudou, j'arrive. Donc, nous avons un tanuki, donc c'est celui qui est tout en bas avec la gourde de saké. Un kitsune, donc ça, c'est celui qui est tout en bas de l'autre côté, c'est le chat, le kitsune. Alors, c'est un kitsune nekomata, c'est parce que c'est un nekomata que c'est un chat. Parce qu'un kitsune, c'est un renard. Donc, en gros, c'est un démon renard-chat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais qu'est-ce que je peux. Un shoshin obake, donc ça, c'est la lanterne. Et un nitan momen, rouleau de coton. Ah, c'est celui qui est là. Ben, c'est quoi l'autre ? Gna gna gna, il m'en manque un. Ah non, c'est... Attends, le tanuki. Ah oui, non, c'est moi, je dis des conneries. Autant pour moi. Donc, le tanuki en bas. Le kitsune, c'est lui. Et ça, c'est pas du tout un kitsune machin machin. C'est juste un neko mamata. Neko mamata. Très bien. Bonjour. Comment allez-vous ? Voulez-vous que je vous expédie au Japon, mon loulou ? Donc voilà. Alors, le tanuki, appelé Bakedanuki, est un yokai qui a la capacité de se transformer en humain. Il est connu pour être très méchant avec les gens. Dans le film des studios Ghibli, Pompoko, les tanuki font tout pour effrayer les humains afin de protéger la nature et l'environnement du développement urbain. Mais c'est ça, une boîte ! Le chat représente un yokai appelé Nekomata. Oh mon petit Nekomata! On dit que certains chats domestiques se transforment en ce yokai lorsqu'ils deviennent très vieux. Ce dernier possède de mystérieux pouvoirs et serait capable de parler. Sa queue est séparée en deux. Le yokai kitsune appelé Kyubi no Kitsune tire son origine des légendes chinoises et est reconnaissable à ses 9 queues. Hashtag bonjour, connaissez-vous le manga Naruto ? Allez, je reviens. Et coucou pantouflette ! Une boîte, un chat. Qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre ? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des choses dedans. Bon, définitivement, mes chaussettes Rosero vont être blanches.
pleine de poils de chat, probablement. Au revoir, merci d'être passé. Tire son origine. Le yokai kitsune appelé Kyubin no Kitsune tire son origine des légendes chinoises. Reconnaissable à ses neuf queues, il est connu pour se transformer en jolie femme pour tromper les gens. On retrouve des allusions de ce yokai dans Naruto. Putain, c'est moi qui l'ai faite, cette box, sérieux! Ou même dans Pokémon. Le Pokémon Fenard en est inspiré. Ouais, enfin, c'est un renard, quoi, en fait. Non? Bon. Le Shoshin Akabe est un yokai en forme de lanterne depuis la fin de l'époque Edo. On le retrouve dans beaucoup de livres ou de karuta, jeux de cartes japonais traditionnels, et il est souvent représenté dans les maisons hantées japonaises. Enfin, un autre bakemono original, Itan Momen, un yokai en tissu très cruel, je le connais pas du tout celui-là. Il peut voler, kidnapper et frapper les gens, faire suffoquer et tuer ses victimes en s'enroulant autour de leur cou. Les histoires et les légendes qui entourent les bakemono sont presque infinies, si bien qu'elles sont aujourd'hui source de très nombreuses œuvres dans la pop culturelle japonaise. On espère que cette introduction à l'univers bakemono et ces quelques découvertes sur les monstres japonais éveilleront votre curiosité. Voilà. Espèce de fenard, je note cette insulte japonaise. Donc voilà pour la Neon Box du mois d'octobre. Je pense clairement que... Enfin là, ça fait 5 mois qu'on est abonné. Je pense pouvoir dire avec exactitude que c'est la meilleure box qu'on a eue depuis qu'on a commencé à faire les ouvertures. Elle est juste géniale. Voilà. Donc vive Neon Box, vive Halloween. Et je vais aller ranger tout ça. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live unboxing. J'adore dire ça. Je fais des unboxings. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'ouverture de la Neon Box du mois de novembre. Oui, après le mois d'octobre, c'est le mois de novembre. C'est ça. Putain, je viens de bugger comme Jaja. Et sinon, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la journée pour aller faire des geekeries avec les copains, comme tous les jours, hein, parce qu'on est samedi et que c'est bien. Voilà. Eh bien, merci encore. Le gros bisou, la bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le petit site de neonbox.com pour pouvoir commander de magnifiques petites choses comme ça. Parce que quand on a ça un samedi matin, et ben j'ai envie de vous dire qu'on sait qu'on va passer une bonne journée. Voilà. Et merci Benji Uzumaki pour ton follow. Bienvenue à Toyowa du DBD aujourd'hui. Ouais, peut-être tout à l'heure, il faut que je joue avec Maryse. Mais apparemment, il y a eu le reset, donc c'est tout à fait possible qu'on aille faire du Dzabadza. Voilà, je vais juste manger un petit truc. Enfin, déjà, je vais juste ranger tout mon bordel, parce que là, autant vous dire qu'il y en a là. Il y en a là, il y en a partout. Donc je vais ranger tout mon bazar, je vais manger un bout et puis je reviens. Voilà. Le bisou tout le monde, la bon appétit et puis bon week-end à ceux que je ne revois pas. Bisous.